Quand au moment de ton regard son bon. Vous portez Jésus. DG, portez Jésus. Portez Jésus. Oui. Michel est tombé. Toi seul. Naturellement, ils sont en train de faire gêne. Ils ne peuvent pas s'envoler. Si on a dit paye, pas besoin de manger. Attends-moi, personne ne s'envole. Ils t'ont trouvé dans une chambre pour te manger. Bon, on a fait des livres de celle-là. On a fini. Le pasteur. Toi, t'as quel âge? On est à 13 ans. Tu l'as regardé. C'est ta prière. Vous êtes sorcier. Vous répondez pas. Vous êtes sorcier. Hein? Vous êtes sorcier. Oui. C'est des mangeurs d'âme. Monsieur, tu es sorcier. Oui. Tu es sorcier aujourd'hui. Sorcier. Depuis que tu as fui la dernière fois. Tu es venu ici. J'ai dit, bat, monsieur, de toute façon, tu es là. Allez, bat là. Sorcier. Hein? Pour que chacun me voit, tu vas être délivré, tu as fui. J'ai dit à tes enfants, oui, il est où, papa est où? On dit, il a fui. Ils m'ont dit, il a fui. Là-bas, il est parti. Il a fui. Comment tu as vu? C'est mon petit là. C'est moi qui laisse faire venir. Non, laisse-moi parler. C'est vrai? Donc, j'aurais dit, de toute façon, il est parti là. Il va venir. Parce qu'il est parti, il va venir. Là, tu vas venir à la brigade. Et puis tu vas partir comme ça. Tu n'es pas sorcier. Je suis sorcier. Bon, tu es sorcier et tu es venu où on délivre les sorciers et du tawa. Moi, je suis venu que tu veux libérer. Mais tu as dit à qui? Je suis venu. Non. Le même jour. À ah, mais quand on veut libérer, on dit. C'est vous qui m'a vu. Ah non, si tu n'es pas vu, si tu n'es pas vu, tu n'avais rien dit. Ah moi, c'est que comment je fais? Bah, la vérité qui est bon. Moi, quand bon, quand tu venais ici là, tu n'étais pas sorcier. Quand je venais ici là, tu es sorcier? Alors, je suis sorcier? Très bien. Ah, il n'est pas sorcier, sorcier. Je suis sorcier. Sorcier, sorcier. J'ai dit, quand tu venais ici là, ouais, tu étais sorcier non? Oui. Et quand tu es venu ici, j'ai parlé de sorcier, non? Pourquoi toi tu n'as pas montré pour toi pour dire je suis dedans? C'est que tu soignes là. Moi-même, il y a ça. Ce que vous venez de dire là, je vais envoyer mon petit fille là. Quand tu as envoyé là. J'ai dit. Moi, il t'a vu, non? C'est vous qui m'avez vu, oui. Okay. M'a vu. Tu avais ça, non? Tu avais sorcellerie. Oui. Puis tu étais assis là. Oui. Puis il dit. C'était vrai ou faux? C'est vrai. Ok. Maintenant, c'est vrai là. Oui. Qui de toi, moi, doit chercher à voir son camarade pour soigner? C'est ça. Mon petit, il m'a dit de partir. Il m'a dit, j'ai là-bas, je lui ai dit non. C'est ici là, on libère l'homme. Oh. C'est pourquoi je suis venu. Toi-même. Je t'ai libéré. Oui. Où je vais? C'est ici, ça c'est dit. Ici là. La vérité. Tu les moyens, ou les moyens, c'est pas dans la parole, hein, ceux-là. Ils peuvent te renverser. Donc ici, c'est pour Dieu. C'est Dieu ici. Oui. Donc tu vas parler. Je vais parler. Dieu est vrai. Ce que je vis, je fais. Pas ce que tu as dit, ce que tu as fait. Hein, ce que j'ai fait. Vous asseoir, je vais prendre du pied. Après, vous prenez. Allons-y. Comme tu as dit, toi-même, tu es venu. Donc, vous prenez, vous asseoir. Et donc, il va faire. Donc tu es sorcier? Oui. Tu tues l'homme? Je tue l'homme. Mais oui, chacun fait. Tu dis, chacun fait. Sorcier, c'est pas pour jouer. Je tue. Maintenant, tu écoutes. Oui. J'ai marié une femme. Femme-là, c'est elle qui m'a donné. Okay. C'est femme qui m'a donné. Il n'a pas dit non. Voilà. Comment elle t'a donné? Comment elle t'a donné? Elle m'a donné quand elle prépare là. Elle donne, elle met dedans. Quoi dedans? Et tu manges. C'est comme viande. Comme? C'est viande. Maintenant, quand moi j'ai en train de manger là, c'est là, elle dit que. Moi je dis que, ah, ça là, c'est comme. Il dit que non.
Mais ça là, j'ai vu la viande. Mm-hmm. C'est ça que j'ai mis. Je dis, où on a vu? Il dit, c'est là que je connais maintenant. Mm-hmm. Et moi, je paye la viande. Je paye la viande. Et donc, elle nous aide avec ça. Elle te donne vraie viande. Mais elle ne me donne pas une vraie viande. Mais aïe, mais tu es ton mari, non? Mais comment? Elle s'appelle Djeriba. Elle est là encore, moi, j'ai renvoyé. Mais elle te nourrit. C'est pour ça que quand tu veux marier, il faut bien choisir. C'est qu'elle mange là. C'est ce qu'elle donne à son mari. Manger. Elle mange pas seule. Elle est gentille. Alors, donc, il t'a donné. Hein, quand il m'a donné là, moi j'ai mangé. Mmh. Bon, maintenant, je vais coucher là. Mmh. Ils ont, les femmes, elles sont trois. Ils sont trois. Quand il me vit là, en rêve, hein, il fait ça. Il dit, il y a quoi? Il dit que non, il n'y a rien. Maintenant, il devient garçon. Femme, elle devient garçon. Oui, il devient garçon. Ils sont trois, il devient garçon. Mmh. On s'est battu, j'ai sauté sur le lit tombé. J'ai sauté tombé. Non. Ce que tu as fait, quand tu as donné sorcellerie, hein? Tu as fait quoi? J'ai mangé. Il m'a donné sorcellerie, j'ai mangé. Pour tuer. Oui. Les gens, tu as tué là. Oui. Mais quand tu es quand tu donnes sorcellerie, c'est pas pour aller faire par là, c'est pour aller tuer. C'est-à-dire, c'est mon enfant. J'ai tué mon enfant. En tout, ça fait 9 personnes. Oh, 9. 3 filles. Comment tu as fait? Voilà. Quand il m'a donné là. Maintenant, quand moi je les vois là, il y a des gens aussi qui viennent. Non, toi, comment tu as tué les enfants? Les enfants là. Les enfants, quand je lui parle là, il me répond mal. Oh. C'est ça que j'ai tué. Je t'ai demandé ce qu'il a fait. Comment tu as tué? Pas pourquoi. J'ai tué avec mon chien. Celui qui lui sort. Comment? J'ai tué avec mon chien. Comment tu tues avec mon chien? Voilà. Quand je parle, il me répond mal. Donc quand tu parles bas, il faut tuer en même temps. Non, c'est-à-dire, je guettais. Ah, tu les guettais pour moi. Maintenant, tu les guettais comment? Je guettais comment? Pour ne pas que il va parler mal devant moi. Il comprend pas. Il ne faut pas mélanger ma vie. Tu les guettais comment? Non, je comprends. Non, je comprends pas ça. Tu les guettais comment? Je le guettais, bah, c'est un enfant qui n'est pas bon. Bon, c'est toi qui l'as mis au monde, non? Oui. C'est moi qui l'ai mis au monde. Tu as sorcellerie. Oui. Donc, quelqu'un qui n'est pas bon, mais un enfant qui n'est pas bon, non? C'est comme ça. Hein? Oui. C'est comme ça. Tu n'es pas bien, c'est quelqu'un qui est voyou, tu mets au monde. C'est pas ça? Oui. C'est ça. Donc, il ne faut pas te parler des. Non, il n'est pas bon. Non, laissons cette option-là. Laissons ça. Comment tu les tues? Je les tue avec ma chef. La journée? Non. La nuit. Comment tu fais? Voilà. Voilà. Quand je. Le premier que tu as tué, comment il s'appelle? J'ai fait. Hein? Premier, tu as tué là. Comment il s'appelle? C'est que j'ai tué le premier là. Il s'appelle Guessant. Guessant. Ouais. Quoi, Guessant? Le Poabi Guessant. Comment tu as fait pour aller tuer Guessant? C'est-à-dire, bon. Il est couché. Ouais. Bon, moi aussi j'ai couché. Mm. Bon, maintenant, quand moi j'ai debout là, je lui dis descends. Il y a quoi? La rêve. Il dit, ah, un rêve. Je lui dis, il y a quoi? Il dit, oh, laisse-moi. C'est ma mère là. Et puis il s'est couché, il dit, tu m'arrêtes. Non, il est debout. Stop. Juste ton enfant, tu as joué à moi. Quelqu'un dort, il va te dire, il t'est couché. Tu l'as tué comment là? J'ai tué quand moi j'ai debout. Tu as vu que tu voulais manger viande, c'est ça? Oui, oui. Ah, donc tu allais prendre viande. J'ai tué. Tu voulais manger viande. Hein? Puis tu as tué. Hein? Alors, il faut expliquer ça. Il m'a dit, comment tu as fait? Voilà. Quand il est couché là, j'ai parti. Je lui ai révélé là, il veut parler. Je lui ai dit, bon, tiens,
j'ai prié. Mm. Puis j'ai mangé. Tu as transformé en quoi? Mm. Tu l'as transformé en quoi? Mm. Tu as changé quoi? Quelle viande? Hein? J'ai changé comme gazelle. Gazelle, ok. Mm. Tu as mangé. Mm. Tu t'as donné quelle partie? Morceau là, c'est quoi? Viande là? Quel morceau? Morceau là. J'ai vu son foie là. C'est ton foie là? Ouais, son foie là. Ça lui est pris. Seulement? Non. J'ai pris son voile là. Mm. Et puis, j'ai pris encore ce qu'on enlève les tripes. Là. Mm. Voilà. Voilà. Mm. Seulement. Ouais. C'est ce qui tient. C'est et le reste. Le reste là. T'as donné à tes camarades Non, c'est cette femme là. C'est la femme qui m'a donné la sauté. Qui mange ça. Oui. Deuxième. Deuxième enfant là. Mm. Il s'appelle Paul. Paul, oui. Mm. Paul quoi? Hein? Paul quoi? Goulbi Paul. Mm, tu as fait quoi? Quand j'ai vu que lui, il est toujours façon là. Moi, j'ai envie de manger. J'ai envie de manger. Hein, j'ai envie de manger. L'homme. Hein. Puis tu as fait quoi? Maintenant, j'ai debout. Quand je suis parti, il dormait. Puis tu l'as j'ai debout. Je dis bon, Paul, il y a quoi? Tu as pris son âme. Hein? Et puis, tu l'as tué. Tu l'as transformé en quoi? Toi, tu es casé. Paul, c'est quoi? Paul, là. Mm. Paul, c'est Paul. Paul. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, tu varies. Mm-hmm. Quand tu fais de manger, viens de Bruce, tu viens chez moi en ville ici. Mm-hmm. Paul, casé. Maintenant, tu as mangé quoi? Paul, chez Paul. Paul, là. J'ai mangé son foie là. Son foie. Là. Voilà. Et puis ses graisses là. Graisse là. Oui, son graisse, son poitrine là. Ton poitrine là. Son poitrine. C'est ce que t'en donné. Ouais. Bien manger. Voilà. Qui prépare? C'est sa maman. Sa maman. Mm-hmm. Mm. C'est elle qui m'a donné là. Elle prépare. Tu as mangé. Hein? La poitrine de Paul là. Voilà. Et un foie là. Un foie là. Tiens, foie, hein? Son foie là. C'est pas. D'autres là, non. Comme tu vois que c'est pas bon là. Si c'est Paul là, je ne prends pas ça. Si c'est d'autres viandes, voilà, on mange là. J'enlève là. Si c'est l'autre viande grosse là, tu mailles les tripes. Porc là, non. Tu mailles la poitrine. Voilà. Et puis foie. Ouais. Okay. Troisième, c'est qui? Troisième, c'est Germain. Germain. Ouais. Une fille? Non. Germain. Germain. Hein. Ok. Tu as fait quoi? J'ai fait. Germain, on allait au champ. Mm. Bon, je dis que bon, il faut prendre des camarades, il n'y a qu'à venir m'aider. Mm. Que si c'est moi, tu n'as pas fait ton champ. Je dis, ah, bon, c'est ce que tu veux dire. Bon, je suis venu, j'ai dit à sa maman. Je dis, ah, non. Comment tu l'as tué? Je suis parti, je fais la chasse. Quand j'ai vu seulement, je dis, c'est Germain là. Maintenant, j'ai tué. Comment tu as tué? J'ai tué avec machette. Mmh. Comment? J'ai tué. J'ai attrapé et puis il veut faire plus gueule. Il veut faire gueule toi. Voilà. La nuit là. Ouais. Non, t'es dangereux, hein? Il veut faire gueule là. J'ai tué. Tu es gorgé. Ouais. Tu as mangé, tu as transformé en quoi? Mmh. J'ai aimé là, tu as transformé en quoi? Tu as changé à quoi? Ah. L'autre c'est gazelle, l'autre c'est porc. Ah, j'ai aimé. J'ai aimé là. C'est que j'ai changé avec ça là. C'est Agouti. Agouti, oui. Tu as mangé quelle partie? J'ai parti Agouti là. Son. Voilà. Là, tu manges ça? Oui, j'ai mangé avec son foie. Ton foie? Son foie. Foie, là? Oui. Ok. Bien mangé? J'ai bien mangé. Quelle sauce? Avec sauce graine. Graine? Oui. Quatrième, c'est qui? Quatrième? Mmh. Bon, après, jamais. Mmh. Quatrième là, il s'appelle Antoine. Antoine, comment tu as tué? Antoine, pourquoi j'ai tué? Lui, il suit son petit frère, son grand frère. Pas qu'est-ce qu'il a fait? Comment tu l'as tué? Pas pourquoi tu l'as tué? La raison là, non. Ah, bon. Je suis allé, il dormait. Voilà, il dormait. Voilà, j'ai dit, lève-toi. Maintenant, il dit, il y a quoi? Je dis, oui, lève-toi, on va partir.
Non, à partir de te tuer. Voilà. Puis, en partie de tuer. Oui. Non, je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit, il faut le dire. Il y a quoi oui. Et puis on a fait parable. Et puis tu as gagné. Mm-hmm. La nuit, en rêve là-bas. La nuit. Oui. Comment il avait là Antoine. Mm-hmm. Antoine. Puis tu l'as tué. Oui, j'ai tué. Tu as transformé en quoi? J'ai fait. Il y a bus. Bus qui est rouge, petit rouge là. Bus royal. Bus. C'est ce que tu as fait. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Tu as mangé quoi? J'ai mangé son foie. Son foie là? Ouais. Et puis c'est ce qu'il y a dedans? Moi je ne mange pas son foie. Mais toi tu manges ce qu'il y a dedans? Hein. Quelle sauce? Avec sauce de graines. Grain encore? Hein. C'est graines, j'ai pourtant trop. Après Antoine, tu as tué qui? Après Antoine. Bon. Tu avais combien? 5? 4. C'est lui de où? Oui. Comment tu as tué? Il est où? Il est où? Il est où là? Il est mort. C'est mon enfant. Comment tu l'as tué? Oui. J'ai tué. Il est où? Mais il y a quoi? Il me dit il y a quoi? Il dit tu joues avec moi. C'est pas la raison, c'est qu'il a fait, c'est pas ça qui est. Pourquoi toujours toi on fait parler avec toi, toujours, pourquoi c'est toi toujours voilà. Pour laisser ça. Pourquoi tu l'as tué? J'ai envie de manger l'or. J'ai envie de manger l'or. Voilà. Ah, c'est tout. Donc il n'y a pas poulet, machin, il n'y a pas bien. Non. C'est Boukari qui vend un peu là. Tu ne le connais pas? C'est l'affaire de l'argent. Moi, quand je tue là, je bouffe. Sans l'argent. Ah non, tu ne cherches pas à payer 2 kilos. 2 kilos là. Il y a 2 kilos, il y a bien de la maison. 2 kilos là. C'est cher. Donc chez toi, il y a bien dans même temps la maison. Il dit, allez manger, c'est trop. Il y a bien viande. Il va aller au marché, il y a bien viande. Il prend, il mange. Où est ses parents, vous deux? T'as couru? Oui, tu l'as tué comment? Gorille là. J'ai tué. Biche royale là. Oui. C'est ça la vie? Gorille, non. L'autre là, c'est passé. C'est l'autre là que j'ai. Il s'appelle Gorille. J'ai faim. Tu voulais manger la viande de l'homme? Voilà. J'ai péché. Tu as besoin de viande? Voilà. Mais au marché, on vend? C'est lui, j'ai péché. Boub l'homme là. Voilà. C'est doux. C'est bien doux? Oui. Bien doux? C'est bien. D'où? Bien d'où? Oui. Ça vient. Tu as tué. Voilà. Tu as transformé en quoi? Hein? L'autre a goûté. Hein? Lui, c'est quoi? C'est que j'ai changé avec lui. C'est bif blanc là. Blanc. Pas gazé, hein. Bif blanc là. Voilà, c'est ça. Tu as mangé quoi? Quoi? J'ai mangé avec sans graines. Mais quoi? Quelle partie? Son foie. Son foie en bas là-dedans. Voilà, son foie là. Toi, tu ne laisses pas viande là? Non. Viande là, je donne ça. Les femmes là? Ouais. Ok. Ça fait combien? 5? 6? 6. Il reste 4. 7e. 7e là. 7e là. Son nom. Il s'appelle Volet. Hein? Volet. Et quel nom ça? C'est le nom de. C'est nous, on met Volet. Et il est fait quoi au village? Il est qui pour toi? Et c'est mon enfant? C'est mon enfant. Ah donc tu prends enfant, tu manges. Hein? Tu prends, tu manges. Hein? C'est comme ça? C'est mon enfant. J'ai pu manger. Et pourquoi? Ah. Pour aller prendre, il faut aller attaquer pour quelqu'un là. C'est long. C'est long. Attaquer pour quelqu'un là, c'est long. Donc tu prends pour toi pour manger. Hein. C'est ça. Tu l'as transformé en quoi? Pour. Vrai là. Viens, il y a son machin là. Lapin. Lapin, beaucoup chez nous. J'ai changé avec ça. Tu as changé la peine. Ouais. Tu voulais manger la peine. Oui, c'est ça. Je dis, le pâté fait pire, là, ça prend pas. Oh. C'est pourquoi j'ai obtenu. Ça fait combien?
Là, quand tu vas en brousse, tu fais la pierre, ça ne prend pas. Hein, ça ne prend pas. Bon, ça, je vais prendre vrai pour faire la paix. Ça te fait rien quand tu tues tes enfants. Donc, quand tu tues tes enfants, ça te dit rien. Papa, papa, laisse-moi, puis tu tues. Ça te dit rien. Pourquoi? Pour rien, parce que j'ai envie de manger. Manger seulement. Mais tu caches bien, puis que tu ne prends pas tout. Pas d'image qu'il y a dedans. À quoi de manger? Tu prends un enfant mort, tu manges. Comment je fais? Comment tu as fait? J'ai envie de manger, je vais parler à quelqu'un d'autre là. J'ai mais tu as envie de manger bien. Mais à Boukari, ils vont bien. Il y a mon ami même qui est. Non. Ah, ton ami qui est plat. Pas là-bas. Mais je ne vais pas. Tu ne veux pas être camarade à plat? Oui, c'est lui qui fait des bleus plats. Il est voilà. Son camarade. C'est mon camarade. Mais tu ne veux pas pour lui là? C'est pour ton enfant là, tu veux. Ouais, si lui il coupe là-bas, il te donne. Puis tu manges pas. Il donne, moi, je mange. Si j'ai besoin aujourd'hui de manger là. Tu manges l'homme. Ça, je prends. C'est dangereux, hein? Pour l'homme là, c'est doux. L'homme est doux. Plus doux que bœuf. La viande de l'homme, c'est doux que bœuf. Ouais. Très, très doux là. C'est plus joli que bœuf. Il a fait, il a cité combien? 8, non? 7. 8. 8e. 8e, non? Après, vrai. Bon, il s'appelle Gorlet. Gorlet. Pourquoi tu mets les noms que les gens ont les noms? Gorlet, c'est le goût. Il est depuis, c'est son. C'est du là, tu vas manger. Quand ta dame est du. Non, c'est du goût là. Lui, c'est son nom qui est connu. C'est Goré ou c'est Goré? Ouais. Tu l'as tué comment? Tu es allé. Tu voulais manger encore? Oui. Donc tu as toujours faim? Si j'ai faim tellement, je tacle lui. Tu attaques l'homme? Ouais. Ok. Tu as fait quoi? J'ai coupé. J'ai mangé ce que. Tu l'as tué comment? Ah. Ça machette. Machette, ouais. Tu as vu ma machette? Mais c'est où ta machette? Mon machette là. Mais ça c'est rien. Mon machette, c'est elle là. Et pourquoi tu viens te faire délivrer, tu laisses ta machette, la arme là, là-bas. Toi-même tu es venu te faire délivrer, non? Ouais. Et pourquoi est-ce que tu as la machette là? Moi, même ici là, c'est moi. Moi, je fais, si je gagne l'argent, je mange ici. Non. Je peux envoyer. Oh, laisse. Je dis, c'est une machette là. Tu prends pour Dieu, non? Oui. Tu veux venir ça? Quand on attrape un bandit là, ces pistolets, on en est dans sa main. Coupé de route là. Quand un bandit attrape, policier attrape là, il en est pistolet. Mais toi, tu viens te faire délivrer. C'est lui qui te prend pour Dieu là. C'est resté là-bas. Pourtant, tu as reparti encore là-bas. On a envoyé ça, je suis le prophète ici. Ouais. Allez, toi, tu manges vite, vite. Petit chômage, tu as faim. Petit chômage, tu as faim. Petit, tu manges. Tu as moyen vrai, tu as moyen gouré. Maintenant. Où est ma chèvre? Machette. C'est elle, hein? C'est elle, la maison. C'est à la maison. Et pourquoi t'as pas envoyé? Pour moi. C'est quelqu'un qui m'a pris en moto, puis m'a envoyé la nuit. Ah donc on t'a forcé pour t'envoyer ici? Non, c'est moi qui ai besoin, c'est mon motif. C'est pour moi mon motif là. Tu as besoin, et puis ce qui tue là, c'est toi. Mais tu prends quelque chose pour tuer et tu laisses pour venir. Bravo là. Moi, il n'y a qu'à te prendre au sérieux. Il n'y a qu'à t'écouter. Ce qui tue là, c'est à la maison, non? Va t'asseoir, quand ça va envoyer ça? Faut envoyer commission, moi envoyer. Va t'asseoir. Amoussale, oh! Amoussale, oh! Amoussale, oh! Amoussale, oh! Amoussale, oh! Amoussale, oh!
enfants du village sont là? Tout le monde? Bien. Bon, ceux qui sont là, venez, on va régler le problème, puis ça va finir. Vous avez pris vos huiles là? Ok, comme ça, elle va finir de parler, on va aller derrière. On va verser l'eau, on va, en fait, on va faire une action prophétique, l'huile, tout ça, on va vous libérer. C'est moi qui dois faire ça. Laisse-moi. Il a peur. Quelqu'un qui dit tu. Il peut venir près de toi vite. Venez. Amen. Amen. Toi, tu peux mettre les enfants au monde, tu les manges. Il n'y a, pas un goûter au champ. Monsieur, il n'y a pas un goûter au champ. Tu as un goûter au champ. Tu ne fais pas piège, tu n'as pas goûter. Mais quand je prends, une fois, ça prend, une fois, ça prend pas. Mais quand tu ne prends pas, stop. Quand ça ne prend pas, tu attrapes, goûter. Si ça ne prend pas, je prends. L'homme. Voilà. Quand ça ne prend pas, tu attrapes, tu prends un pour manger. Ouais. Un sauce graine. Hein? Avec sauce graine. Avec sauce graine. Riz, foutou. Il y a non. Tu m'as arraché. Voilà. Et foutou. C'est foutou, hein, c'est riz. Hein? Foutou, je mange foutou. Avec du riz. Le jour tu rates viande, hein? Tu attrapes enfant. Hein? Quelqu'un, tu manges. Si il y a l'homme aujourd'hui, c'est banane, foutou. Là, je mange avec la pied. C'est pas l'homme, ça, c'est Jerry. Hein? L'homme est doux. L'homme est doux. Bien doux. C'est très doux. Il t'est pas vu. Viens, si tu veux. Il t'est pas vu, monstre. C'est un monstre. Tu t'amusais le vieux dans la même chambre. Et puis tu sautes ton mariage à Kouyama. Il va te manger. C'est vrai, hein? Et l'homme est bien doux. Tiens. L'homme est sacré. Tu n'as pas des noms comme ça. L'homme est doux. Sauce arachide. Mm-hmm. Oui. Tu manges. Tu manges. L'homme. Puis tu laisses viande là. Tu prends. Il fort. Tu manges l'homme fort. C'est un monstre. On va te délivrer fort. Fort, on te délivrer. Où est le couteau là? Couteau là. Dis à quelqu'un d'envoyer. C'est jusqu'à touffe là. Mais il faut appeler quelqu'un touffe là. Il peut t'envoyer là. Il peut, tu peux dire où ça est, il va envoyer. Tu as compris? Voilà. Hein? Non, écoute, laisse-moi. Quand il parle comme ça, c'est qu'on peut envoyer. Tu as compris? Mais il dit, ton couteau, il n'a pas envoyé. T'as compris? Oui, j'ai compris. Là, tu viens te faire délivrer, et puis ce qui tu là, tu laisses. Tu manges sur mon dos, béni. Maintenant, si tu retournes, tu ne vas pas prendre ça. C'est comme tu attrapes un bandit, un braqueur, tu laisses avec son pistolet. Tu venais te faire délivrer, non? Oui. De quoi? En cas d'enlever quoi? Sorcellerie. Tu prends quoi pour tuer? Non. Tu prends quoi pour tuer l'homme? Machette? Oui, c'est un couteau là. Ok. C'est un couteau, c'est comme une épée. Oui, voilà. C'est comme une épée.
et là. Quand tu viens, tu attrapes la faim. Voilà. Tu fais gris-gris. Comment tu fais? Montre, montre. Comment tu fais? Quand j'ai attrapé là, il fait. Hein? Alors, lui, il veut jouer, moi, je fais comme ça, je fais comme ça. Puis tombe. Oui. C'est un monstre. Il a trouvé un côté la nuit, là-bas Jésus. Tomate. Claire, là, il va voir que tomate. Il va mettre colorant rouge, je sais pas. Sans tomate, tu manges à kiki. Ok. On va prier pour vous. Le Dieu, votre papa, on a abordé un sujet. Il avait souhaité que tout le monde soit là. Nous allons poser une date prophétique. La sorcellerie, comme je disais, que c'est ce qu'on appelle dans ce sort. Dis à quelqu'un, tu n'as pas reçu, dis à quelque chose. C'est une forme de sorcellerie. Nous, c'est notre méthode de travail. Voilà. On fait ça en public, pour nous, c'est pas caché. C'est public. Pas parce qu'on a envie d'exposer un parent, mais Dieu met à nu ce qu'il a fait dans les ténèbres. Dieu est lumière. Donc, ce qui est ténèbres, là, Dieu les met à nu. Que ça soit au grand jour. Et nous, ce qui va nous préoccuper, c'est votre délivrance et votre bénédiction. Voilà, c'est ça qui est plus important. Donc, voici les enfants. C'est votre enfant. Ce sont vos enfants ou petits-enfants, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Nous sommes ici dans une église, c'est la présence de Dieu. Donc on est venu régler quelque chose dans la présence de Dieu. Et j'aimerais que, après cette rencontre-là, que tout passe, tout est très bien. Amen. Et je pense qu'après cette rencontre, qu'on oublie ce qu'on a entendu. C'est vrai qu'on ne va pas oublier, mais il faut pardonner. Donc, on ne peut pas, oui, c'est difficile d'oublier, hein. Mais on peut pardonner. Pardonner pour se mettre au-dessus des paroles, pour se mettre au-dessus de ce qu'on a entendu. Et on s'est dit, bah ok, c'est une question de Dieu, il faut que je laisse tomber. Et puis je laisse. Il dit, Dieu, Jésus-Christ, c'est à toi que je vais donner maintenant ma parole. C'est une prière. Non, les enfants sont là. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi là, aux gens? Qu'est-ce que tu avais dit? Qu'est-ce que tu avais fait à la Philomène? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu veux aimerais que bon, ça se passe? Bon, merci. Il dit mes enfants que j'engendrais là. Il n'a pas quoi dire. Bon. Je n'ai pas envie de les manger. Mais comme ils m'ont énervé, je les ai maudits. C'est la sorcellerie. Oui. La plus grande là, elle est là. Elle a promis de me donner une voiture, elle n'a pas fait. Ça peut faire maintenant 5 ans. Et 15 ans. Et il a dit combien là? Quoi c'est 10. Mais il est passé et il a cassé là et qu'il a coco a mené de coups net à lui et qu'il a coco bon et il a coco et qu'on a coup mené. Tu l'as maudit, tu l'as dit. Oui, je l'ai maudit et il blessait. Non, mais c'est pas la coco que tu as dit, ça au diable. Voilà, quand tu l'as maudissé, là, c'est pas à Dieu t'a donné. Donc, et qu'il a coco, mais quand le bouillac a dit que c'est quelqu'un parce que le bouillac et qu'on le bouillac a dit au bouillac. Non, il est possible de prier pour que Dieu la protège. Hein? Il est possible de prier pour que Dieu la protège. Voilà. Hein? Donc, dès que tu as mis ta personne, il avait dit des choses, maintenant là, il la libère. On a eu encore tout. Parce qu'elle a eu des problèmes. Ouais. Elle a eu des soucis. Elle t'a dit ça, elle a eu des soucis de santé. Ouais. Non, c'est tout ça là. Ouais, c'est tout ça. Ah. Hein. Toutes ses affaires sont bloquées. Elle a eu un problème de santé. Okay. Tout est devenu bizarre. Il dit les devant Dieu. Amen.
On essaie un plus gros jusqu'à qu'il pète. On n'entend pas rien pour le peuple. Combien de boutades, ça veut dire 9 mois. 9 mois. Et j'espère le tour. Pourquoi? Au Kayama. Ah, ok. Avec lui. Lui aussi, et le coup, on peut l'université. N'est pas oublié. Est oublié à Ghana, mais. Moi, il s'est nommé, c'est qu'on trouve ou non, quand même, trouve ou non. Et quand même, pas deux, j'aime bien, tu vois, non. Il peut travailler là-bas. Donc, tu as l'air. Donc, on y est, on y va, non, on y va. On travaille, on peut l'homme. Il va travailler. Même le vieux, là, il est gros, il doit travailler. Il doit travailler. Ok. Bien vu, on a eu. Oui, c'est ceci. D'accord, et pour vous. Amen. On a bénisse ma petite fille. On a soumis au plan. Oui, on vient son école là, on a qu'à aller loin avec ça. Dès que je dis, on y allait à demain, vous me voyez demain. On a oublié ton mari. Et bien, on a travaillé à l'école. Son frère, mon petit-fils, qui est le grand frère de la fille, qui est marin là, militaire marin, et qui est ce qui là, qui trouve qu'il puisse, que ça puisse lui profiter. Nia. Nia, ça dit ma mère. Et avocat. Je te salue. Et toi, quand il est donné, c'est quand il est complètement bébé, il est complètement. Non, ne veux pas que. J'ai expliqué son vieux. C'est pas parce qu'elle t'a menti. Voilà. J'ai dit, voilà. Voilà, non. Donc, les gars, c'est le même. Elle t'a promis, elle n'a pas eu les moyens. C'est tout. Essayez-vous. Oui. Maintenant, là, toutes les paroles de malédiction que tu as bien au final pour des gars, faisaient que tout ce que tu faisais était bloqué. Maintenant, là, ça va aller. J'en ai cette parole. Essayez. Ok. Donc, j'ai donné le nom de ma mère. Non, la maman de mes grands. Ah, ma grand-mère, d'accord, papa. Ok. Mais dès que je me disais, oui, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Et lui, c'est souvent qu'il y a un peu de temps. Nous, on a du bon. Il faut qu'on y va pour ça. On sait qu'il est. On sait qu'il est un jour. Mais c'est un groupe qui est souvent, on est sur le bon, on est sur la terre, tout pour l'amour. Il faut qu'on paye, on y va pour ça. On a un peu de temps. On a un peu de temps. C'est un peu de temps. On oublie, J'ai déjà commencé à te bénir, mais nous sommes déjà bénis par la prière de Dieu. Et nous, je vais continuer de te bénir. Voilà, accorde-toi à ton mari de nos frères, et je te bénis, tout les choses à Dieu. Après ça, c'est le point de vente. Aïe, c'est le cas pour votre. Mais d'ailleurs, vous voyez que vous... Aïe, c'est bon, Dorothée. Ah, Dorothée. Maintenant, ceux qui ne sont pas là. Donc, on est le voir pour voir, hein. Oui. Dorothée. Oui. On peut l'en accueillir. Ok. On peut bien mettre. Mets-toi comme ça, puis tu regardes la caméra. Oui. On peut, hein, États-Unis. Tu parles comme tu tentes de parler à Dorothée. Donc, et Dorothée, il y a un camp dans le pays. Il est bien du camp passé sur l'homme. Il y a le tout à quoi il y a. Il y a un peu de temps. Il y a un potable. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. On a un peu de temps. On a un peu de temps. Voilà Dorothée. Là, et Dorothée, il y a un cas. Il y a un peu de temps. Tu es malade, toi Dorothée, depuis les États-Unis, je te parle, la maladie dont tu souffres, je prie Dieu pour que maintenant ça s'arrête au nom de Jésus. C'est bien pour le retour, il n'y a pas au retour. On a un commerce en train de faire. On a un marché, on a bien marché. On a tu dis que ça ne marchait pas, mais il faut que ça marche. Magasin, il dit que nous, d'accord, on a prié. Zina, il prié. Moi, il nous veut prier, il nous veut prier, il nous veut prier. C'est passé. Voilà. Ouais, explication là. Voilà. Donc, après le retour,
on a un magasin. Tout ce qui est fait comme commerce, ça doit marcher. On a goût et bien. Donc voilà, venant. Une bonne santé à toi. Et qu'on a de coups de. Il n'y a pas elle, tous ceux qui ne sont pas là. Et quand maintenant, Brolo, on a un peu de temps, on a Christelle Cobre, non, elle va suivre la vidéo, elle va suivre ça, tout de suite. Radio Cobre. Peut-être ce soir, elle va suivre la vidéo. D'accord. Armel. On parle de Soukoum. Mon père, on a 4. On n'en a pas. 4 bis. Mais écoute, il y a un coup, il n'y a pas que c'est beaucoup. Mais il y a très beaucoup. Non, la connaissance. Là, il y a des gens qui ont été en train de se faire. C'est une bonne idée. On a pris le temps pour y aller. Et on a pris le temps pour y aller. Amen. Et maintenant. Ok. Et quand on a pris le temps pour Rose. Rose et quand on est on va aller à pousser, à me noyer au on n'a pas de on n'a pas de on n'a pas de on n'a pas de on n'a pas on n'a pas de 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 on n'a on a go where on y de Mamelo, never put an eye, you call a pubre, and then when you come, can a brand of and pocket cooker. So, oh, Yamelo. Take it down, you got it too, everywhere. Vacasica and a white matter commodity, and a while I'm going to tell you. That's the way able. The 80 double donor, or come, but we are not going to boss in here, you go where you are for oil. Amen. You look after you. That ain't got a cocoa. And I'm going to pass you. Allez, dans la vie, allez, et soit lui, oh! Et vous, et c'est parce qu'il avait cette volonté de voir ses enfants délivrés que lui ont parlé d'ici qu'il est venu. Voilà, donc, c'est pas avec contrainte, sinon il pouvait dire non, il pouvait partir, on pouvait pas le maintenir ici. Mais il voulait voir, n'est-ce pas, la délivrance de ses enfants. Mais il reconnaît qu'à un moment donné, il a posé un âge, il a dit c'était une mauvaise chose. Mais en cette date-là, comme il est dans la présence de Dieu, tout ce qu'il a fait et tout ce qui est arrivé à ses enfants, que ce soit des petits-enfants, que ce soit ses enfants, il est confié au Seigneur que toutes tes paroles de malédiction, que ces paroles soient révoquées au nom de Jésus, et qu'à partir d'aujourd'hui, les choses puissent aller de l'avant, et que son souhait, que ça puisse aller comme avant, être comme avant. Vous avez l'habitude, de, pendant les vacances, retrouver chez lui, manger ensemble, il aimerait que les choses soient comme ça. Amen. Amen. Ok, je pense que vous avez entendu ce que votre papa a dit. Voilà. Ici, même quand quelqu'un est sorti, ce n'est pas pour nous une raison de le séparer avec sa famille. Non. Nous expliquons clairement qu'ici, et que la sorcière c'est une maladie, nous prenons le temps d'expliquer si c'est un père à ses enfants, et nous délivrons, n'est-ce pas, le sorcier en question et les victimes. Les victimes. Et nous les mettons ensemble après. Parce que tout compte fait, on est un jour appelé à vivre ensemble. Il y a eu des choses qui sont passées. Et Dieu a permis, parce que le hasard n'existe pas, Dieu a permis qu'il s'assoie aujourd'hui et qu'il est dans sa présence. Je pense que votre père, il s'est exprimé, il a tout dit. Et c'est vrai, on ne peut pas le mettre encore le cou, le trimballer. Il pouvait venir pour dire non, mais c'est ici, mais je ne bouge pas, je ne fais rien, je ne veux pas. Personne n'allait le forcer parce qu'il est libre.
Voilà, nous sommes dans un pays de droit. S'il dit il met dans un coin, il ne voulait pas être, la police peut venir le défendre ici, il peut aller se plaindre. Mais c'est avec son accord. C'est ce que vous devez d'abord comprendre, la première des choses. Et la bonne volonté, c'est-à-dire qu'il est resté pendant des temps ici, il a accepté les conditions de vie ici. Pas parce qu'il était sous ma prétence, non. Parce que c'est un père de famille, il a une maison, on se sent mieux à l'aise dans sa maison. De toi, il a accepté publiquement de se mettre sur ce banc. Il a accepté ça, cette condition-là, dans le but de voir les choses avancer. Donc je préfère qu'on regarde tout ça et puis qu'on dise que votre papa, quand même, il a eu cette volonté de voir quand même la famille se mettre ensemble. Voilà. Parce que ça c'est vraiment important de comprendre au fait, la part des sacrifices du père. Vous dites, ah non, il n'y a pas. Non, je pense que tout ce qui devait être dit est dit. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Je pense que la seule chose, c'est le diable qui est au lit. Le diable sera humilié à jamais. Nous avons déjà confié le sujet à Dieu. C'est votre père. Il prend ici devant l'engagement devant Dieu de révoquer cette malédiction. Tout ce qu'il avait dit dans le secret, il avait dit que c'est fini. Parce que c'est ça la malédiction. Hein. La malédiction, c'est une parole maldite. La seule chose qui annule, c'est la malédiction, on l'annule. Ce n'est pas un esprit. C'est une parole qu'on l'annule. Donc il reconnaît qu'il y a une malédiction. Elle vient d'être révoquée. Mais c'est votre père. Voilà, c'est votre père. Moi, je lui donne des conseils. Il dit, tu peux avoir une fille, elle peut te promettre, et puis elle peut avoir des difficultés. Elle peut avoir des difficultés, elle peut avoir honte de venir vers toi et puis ne pas vouloir. Mais je pense que tout ça, c'est fini. Et c'est votre papa, c'est votre père. Après cette rencontre, moi-même, j'aurai l'occasion de passer chez lui à la maison et puis voir comment vous le traitez. Tout ça, c'est important. Je sais que vous l'aimez. Voilà, je pense que vous l'aimez, je sais que vous l'aimez. Et c'est l'amour que vous portez pour lui dans le cœur, vous a poussé à venir régler ce problème. Amen. Voilà, donc je pense bien qu'il est votre papa. Il est votre papa. Symboliquement, chacun le sait la main et puis le fait à vous. Et moi, j'ai prié. Symboliquement, ça traîne un signe très fort devant moi. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est vraiment important. C'est un grand signe. Voilà, de voir, voilà, du même. Le même pas de même toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut... On se tient debout tout le monde. Mettez-vous en genoux, les enfants. Vous ne mettez pas en genoux. Non, vous arrêtez. Vous tendez tous les mains vers ici. Nous te prions dans ta souveraineté, toi qui es puissant et grand. Nous te prions que la Bible dit, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Si elle a des effets, elle a des causes. Le Père a expliqué les causes, ce qui l'a poussé à prononcer des paroles maléfiques. Et lui-même, de lui est sorti cette malédiction, a décidé de les annuler. Nous prenons le ciel et la terre en témoin et qu'à compter de cette date, nous annulons toute forme de malédiction sur sa vie dans le nom de Jésus. Et nous en profitons que les portes de grâce et de bénédiction s'ouvrent et que tous ceux qui étaient malades, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Nous détruisons toute forme de maladie, nous détruisons toute forme d'envoûtement, nous détruisons toute forme de sorcellerie, d'envoûtement dans le nom de Jésus. Et nous proclamons la puissance de Dieu. Devant Dieu, nous confions votre destinée à Dieu. Que le Seigneur notre Dieu prenne désormais, n'est-ce pas, le devant de votre destinée. Et qu'après cette action, qu'il ait témoignage en sûr et qu'il vous rende témoignage des miracles de guérison, des miracles d'emploi, de guérison, de mariage, de restauration. Dieu d'Israël est notre Dieu. Et en ce nom, dans le nom de Jésus, nous vous déclarons bénis et délié au nom de Jésus que nous avons prié. On dit Amen. Amen.
acclamons le Seigneur. Levez-vous. Amen. Que Dieu te bénisse. Moi-même, je vais te faire un tour parce que c'est important. Voilà. Est-ce qu'on peut former Jésus? Toi, pour manger sûrement, hein. Va manger. C'est l'homme et tout. Va manger, hein. Oui, va aller vous asseoir. Tout à l'heure, nous allons faire le bain. On aura le bain d'huile. Allez-vous asseoir de côté. Tout à l'heure, on va faire le bain d'huile. On fera tout à l'heure le bain d'huile. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Très tôt le matin, je vais passer le matin très tôt, avant 6 heures. Le papa comme chez nous. C'est une action prophétique très forte. Embêté qu'on dit bénédiction, ça dit j'ai versé l'eau. Ils feront ça. Et puis bon, c'est fini, bouclé. Et comme ça, vous allez rentrer en famille. Amen. Et je pense bien que votre papa reste votre père. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu continuera de vous bénir. Amen. Voilà, c'est important que Dieu règle les choses. Je pense que la sorcellerie, c'est exclu. Mettez ça en arrière. Et comme je disais tout à l'heure dans le message, vous continuez de marcher avec Jésus-Christ. Les choses ont commencé à se régler parce que la malédiction est révoquée. Maintenant, vous attachez vos seigneurs et les choses iront mieux. Amen. Amen. Et je pense bien qu'il faut rendre visite à le Père. Voilà. Et moi, je ferai les pas quand je serai habitant. On va échanger les contacts. J'irai chez lui. J'allais prier chez lui. Tout compte fait, il a besoin de vous. Amen. Amen. Comme celui aussi, il a besoin de vous. Il a aussi besoin de vous. Vous avez besoin de lui, il a aussi besoin de vous. Et vous êtes obligés d'être ensemble. Parce qu'un parent, on le choisit pas. Et ce qui m'a plu chez lui, c'est son esprit d'humilité. Accepter de s'humilier. Et ça, il faut regarder. Nous, il y a tout ça qui nous attire. Voilà, moi dans mon travail, il y a tout ça qui m'interpelle, je regarde, il a accepté de s'humilier devant tout le monde, devant une caméra, il accepte parce que pour lui, il faut que ça se règle et que la famille soit ensemble. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette famille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il répande des grandes bénédictions dans votre vie. Le monsieur dit, je mange mes enfants. Je les mange, c'est Dieu qu'on m'a goûté. Il y a lapin, ça loupe. Son piège loupe lapin, donc. Il a mangé lapin. C'est un sauce grec, il mange. Monsieur, c'est un sauce grec. Vient de l'homme, là, c'est sauce grec. Oui. C'est sauce grec. Sauce grec. Hein. Un foutu. Oui. Il y a une banane. Ah. C'est sauce banane, un foutu banane. Foutu banane. Il mélange un peu avec manioc. C'est cette main là-bas. Ah, puis on pile. On pile, pour manger là-bas. Ouais. Donc là-bas, il y a à manger. Sorcellerie, là, il y a à manger là-bas. On mange. Sorcellerie. On mange. Pour manger là-bas. Mm. Et Noé pour nous ici, là. C'est pas bon. Nous, là. C'est pas bon, trop, mais. C'est bon, mais. C'est pas trop doux. C'est doux, mais quand ça arrive là-bas, c'est. Enfin. C'est même pas comment, il faut que tu manges. Forcé. Ah, voilà. Donc, pour ici, là, tu manges ici, puis tu manges là-bas. Oui, je mange. Toi, tu manges deux fois, non? Hein? Ici? Oui. Et puis là-bas? Hein? Pourquoi? Ah, si je n'ai pas, si je mange là, si je rassasie, mais viens là, viens l'homme là, il faut que je mange. Ah, c'est dessert ou bien? Hein, il faut que je mange un peu. Pourquoi? Hein? Pas que je suis content. Ah, tu comptes ça? Ah. Et Dieu nous aide, hein? Amen. Quelqu'un qui aime bien de l'homme. Tu t'as même chien, ma même maison. Tu vas pas te manger. Les deux filles qui sont vitales gagnent. Ses parents sont là? Venez. Et les enfants là, venez. Ils ont dit que vos enfants sont sortis et les envoyer ici. Bon, quand les enfants sont sortis, où sont tes parents? Venez, madame, s'il vous plaît. Prochainement, moi, j'ai une bonne voiture pour toi, hein? Le vieux. Moi, j'ai une voiture pour toi, hein? Merci. Ah, bon, gazole, là, c'est bon pour gazole. Laisse un peu d'essence. Amen. Essence, c'est trop chez moi. Une bonne voiture, gazole pour toi. Vous êtes venus, on vous a, vous avez appris qu'ils sont sorciers. On vous a
dit ça? C'est les deux vos enfants? Non, c'est avec ma fille. Et l'autre? Ça, c'est ma fille. Vous savez qu'il était sorti chez votre fille? Non. C'est maintenant qu'il avait su. Bon, je vous informe que je suis le prophète Crasso. Ce n'est pas nous qui l'avons fait venir. Mais ils sont venus du Gagnois. Voilà, donc pour nous, il faut que les parents soient qui assistent à la délivrance des enfants. Et puis pour que demain, que ce soit en votre présence, mais pas que ça soit mal interprété. Voilà. Tout compte fait, vous allez apprendre, mais quand c'est en votre présence, c'est bien fait. Mais quand ce n'est pas en votre présence, c'est mal interprété et ce n'est pas intéressant. C'est pour ça qu'on a exigé la présence des parents. Vous voulez qu'elle soit délivrée? Oui. Vous êtes déjà chrétien? Oui, je suis. Ok, c'est très bien. Allez vous asseoir. Donnez le micro. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tagro Dogoré Anjouana. Tagro, c'est Bété ou bien c'est Bété d'où? Saïro. Ah oui, c'est bien là-bas. C'est une sorcière? Oui. Et qui t'a donné la sorcellerie? Mon papa. Comment t'as donné? C'était un rêve. Il y avait beaucoup de personnes comme ça. Puis il y avait la nourriture bien dessus. Et puis il m'a dit de venir manger. Il dit il ne mange pas. Et puis il dit si il ne mange pas, il n'y a pas mangé pendant des mois. Et puis il dit d'accord, je suis assise et puis il mange. C'est là que le lendemain nuit. C'est là que le lendemain nuit, il est venu me chercher. Et puis il m'a transformé en dragon. Puis on est parti. Il m'a donné du sang, puis il est venu. Quand il l'a transformé en dragon, il a fait quoi? Il a dit des paroles. Et puis je me suis transformé en dragon. Le dragon, il est comment? Un animal avec une longue tête et puis une queue, des ailes, des pattes, et puis il crache du feu. Ok. On y va. Maintenant, il a tué 9 personnes. Comme le monstre. Et puis, il a gâté la vie de mon oncle en brûlant ses diplômes. Comment tu as fait? Quand je suis partie, il habite chez lui. Donc, quand je suis partie, il a pris ses diplômes. Rich, ça va? On acclame le Seigneur pour Rich. Elle est délivrée. C'était une ancienne sorcière délivrée. Une très belle fille. C'est belle, non? Elle est belle. Ici, nous délivrons les gens. Ouais, ici, on délivre. Et puis maintenant, c'est du passé. On devient un sorcier. On vit avec toi. Les vieux du passé. Voilà, c'est comme ça. C'est une maladie, on peut te délivrer. Voilà. L'église ne doit pas faire le procès des gens. Non, t'es sorcier. Il faut quitter. Il ne faut plus parler des parents. Non. Nous délivrons les gens. Donc il a brûlé les diplômes de mon oncle. Je suis partie dans sa chambre là. Il a pris ses diplômes. Et puis j'ai pris, il a fait. Il a oui, mis sa main. Sa main doit assister. Ça s'est multiplié. Allez chercher ça. Il a fait un pouvoir, puis ça s'est multiplié. Maintenant que ça s'est multiplié, il a pris l'original là. Et puis je suis partie dans notre camp, et puis la photocopie, il a remis ça à sa place. Ah, donc tu as bien pris l'original, et puis la photocopie. Il a pris l'original et puis on a brûlé ça là-bas. Maintenant aussi, ma maman, mon papa m'envoie en mission, il dit de tuer ma maman. C'est là. Il m'a dit que de la tuer, si j'ai dit que je ne peux pas la tuer, que je ne veux pas. Il dit que si la tue pas, c'est moi, eux tous, ils vont s'associer pour me tuer. Et si il dit non, que je ne peux pas la tuer, que si c'est comme ça, il dit de la rendre à feu. Et puis, il m'a donné une poudre comme ça, et puis il dit de siffler ça dans ses yeux, et puis il a sifflé. Maintenant qu'il a sifflé, ça n'a pas marché. Et puis il dit si c'est comme ça, de la rendre paralysée. Et puis, la même poudre, et puis il a sifflé sur ses jambes. Mais ça n'a pas marché. Deux de notre camp là-bas, mon papa, on a pris genre des aigus. Et puis on a mis ça devant ses yeux. Puis on a mis un poison mortel dessus. Donc quand elle veut essayer de se débattre là. Quand elle veut essayer de se débattre là. Et puis ça pique là. Ça fait mal. Donc, et puis, la module. Et puis aussi, mon oncle là, de notre camp de sorcellerie, on a pris piquant. Il y a un poison mortel dessus, puis on a mis ça
vers où il y a son cœur. Donc il essaie de débattre à sa pique. Mmh. Et puis il m'a demandé aussi de boucher les narines de sa femme, qui est ma tante. Et puis il a bouché ses narines. Elle explique quand elle a bouché dans l'oreille. Il a pris maintenant. Mais comment t'as bouché narine? Il a pris la poudre là. Elle dormait, puis elle sifflait ça dans ses narines. Mmh. Et puis ça s'est bouché. Donc à chaque instant, quand elle sent une petite odeur, elle éternue son nom. Elle n'arrive pas bien à respirer son nez. Elle respire par sa bouche. Mmh. Où les sorciers vraiment? Pour ça, là-bas, où je connais, là, où brûle. Il y a un coin dans les brûles. Quand tu finis de parler, on dit viens. Tu viens délivrer, il dit oui. On dit bon, voyez le feu. On va envoyer le feu en esprit là. C'est vrai, vrai feu dans tes brûles. Va brûler dans le feu. Mais ce n'est pas sur une raison de les tuer. Parce que tuer, c'est commettre aussi un maître. Bon, nous les chrétiens, nous avons aussi l'amour. Il faut pratiquer l'amour. C'est vrai, c'est difficile. On a vu Jésus à la croix qui a pardonné son ennemi, qui dit pardonner. Voilà. Oui, bien pas de tout. Vas-y, changez. Ah. Allons-y. Et puis aussi, il m'a dit de faire en telle sorte que non, ma maman se marie plus. Donc il a couché avec ma maman. Ah bon? Comment tu couches avec ta maman? Il me transforme en lui, en mon papa. Mon papa. Mm-hmm. Et puis je viens coucher avec elle. Vous avez les mots Dieu? Oui. Venez. Vous n'étiez pas là tout à l'heure, donc l'origine de ces mots, la petite là va apparaître. C'est pour ça qu'il faut que vous assistez. Nous avons, ici, nos délivrances, nous délivrons les sorciers, bien sûr, mais les victimes nous intéressent beaucoup. Comme vous n'avez pas suivi au départ, et comme vous ne savez pas qu'elle était sorcière, la petite, elle a expliqué que c'est que la base de tes mots Dieu. Vous n'êtes pas marié? Vous n'êtes pas marié? Bon, vous venez d'attendre tout à l'heure. Elle dit que c'est elle qui est la base de tout ça. Comment tu as fait? Tu es marié pas? C'est mon pouvoir qui m'a demandé de coucher avec elle. Et puis tu as accepté? Mmh. Non, c'est toi. Mmh. Laissons en faire du papa. Non, c'est toi. Oui. Oui. Puisque tu n'as pas accepté de la tuer, voilà. Mmh. Ok. Mais tu as accepté de bouger avec elle. Mmh. Okay. Donc c'est toi qui es la base de tout ça. Tu l'empêches de se marier. C'est ça? Oui. Mmh. Et la nuit, tu couches avec elle? Mmh. Mais toi, tu es femme. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. Tu es une femme. Puis tu as un pénis de garçon. Tu as ça? Oui. Comment ça vient? Il me transforme en papa. Comment ça? Quand il rentre chez elle là, mmh. Il me transforme en mon papa. Explique, je t'écoute. Parce que quand il m'en va, il me donne la poudre là. Il me donne une poudre. Et puis d'ici, il arrive là-bas, là, de laper la poudre là. Et puis, bon, si ton papa venait ici aujourd'hui, il était là. C'est qui t'en train de dire là? Tu peux dire ça dans ton voix? Oui. C'est qui t'en train de dire là? Tu peux dire ça dans ton voix? Oui. Ok. Allons-y. Donc, il m'a dit que de laper la poudre là, comme ça, il me transforme en lui. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Tu fais quoi? Ici, là, on a des détails. Hein? Il a lapé la poudre et puis je me suis transformée en mon papa. Bon, tu es papa, mais c'est tout. Mm-hmm. C'est tout. Et puis, il a couché avec ma maman. Et puis, un kiki sort. Oui. Comment ça sort? C'est comme si j'étais un garçon. Tu dis rien, ça sort seul. Il lape la poudre là. Et puis, ça sort. Papa, puis ça sort. Ça sort. Tu as vu maintenant, non? Ouais, c'est qu'on dit mari de nuit. Mmh. C'est ça. C'est long. C'est ça? C'est long, excusez-moi. C'est long. Oui. Qui dit des sorcelleries, c'est pas petit. Ça te fait du mal. C'est pas pour jouer à toi, donc c'est 2 mètres. Là, quand elle finit là, tu as tous les problèmes de bas-ventre, tout ça. Mais c'est comme ça, hein? Vos problèmes de bas-ventre ou des bobotements.
Après ça, ça devient fibrom. Quand un esprit jacuit en toi, parce que le fibrom, vous voyez là, c'est comme un enfant. J'ai vu ça, un de mes fils qui est gynécologue chirurgien. Il a fini d'opérer, il a filmé. Il m'a fait, mais j'ai vomi. Ça respire, ça. Comme un truc. Comme un cœur, ça bat. Et puis ça évolue comme un bébé. Tu vois? Donc c'est tous ceux-là qui font ça. Les blancs, ils ne connaissent pas, ils disent fibrom, tout ça, miam, tout ça. Moi, j'ai vu des femmes guéries de ça. On a prié. Ils ont senti l'envie d'aller aux toilettes. Tout s'est broyé dedans. C'est le miracle de Jésus. Et tu es contente quand tu embrasses ta maman. Viens-en comment? Tu sais que c'est ta maman, c'est ça? Oui. Et puis tu commets, c'est ce qu'on appelle l'insexe. Tu vas coucher avec elle. Tu sais bien que c'est ta maman. Et puis tu fais. Tu ressens quoi un plaisir? C'est ça? Oui. Et juste pour la fatiguer. Oui. Mais est-ce qu'elle est savait ça? Non. Et pourquoi tu appelles ça ta mère? Quand elle est arrivée, je lui ai expliqué ça. Non, ça c'est maintenant quand tu as été attrapé. Oui. Ok. Mais tout ce temps-là, pourquoi tu étais mieux, tu disais rien? Moi, d'ici, il raconte ça à quelqu'un. Il va comment tu fais? Je couche à la personne. Comment tu fais? J'ai couché un matin, je me suis transformée en mon papa. Donc tu as Kiki qui vient. Oui. Tu l'embrasses. C'est ça. Tu couches avec elle. Quand tu veux, c'est ça? Oui. Tu vois, tu dors. Tu fais des nuits. C'est sorcier. On a toujours dit aux gens, vos histoires de mari de nuit là, c'est des sorciers. C'est des gens qui prennent le visage de quelqu'un qui a les rapports avec toi, c'est tout. C'est tout. Vous savez, nous les appelons mari esprit, pas de nuit. Nous on appelle mari esprit ou femme esprit. Et quand tu fais ça, c'est pour gâter sa vie. Oui. Vous voulez délivrer, madame? Oui. Madame, vous voulez délivrer? Vous êtes abattu? Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas. La vie ne prend pas fin là. Vous m'avez saisi? Hein? C'est pour dire, nous vivons, mais il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Et Dieu nous fait grâce de nous donner des informations sur ça. Et en même temps, quand les choses sont, c'est pour nous délivrer. Dieu ne permet pas que tu aies cette information-là pour que tu sois comme ça. C'est pour ta propre délivrance. D'accord? Voilà, donc ça fait mal, mais on accepte. L'objectif, c'est quoi? C'est que c'est la délivrance. Si Dieu ne voulait pas te délivrer, ça n'allait pas sortir au grand jour. On est d'accord? Et tu fais quoi encore à faire ça? J'ai accouché à mon oncle. Attends. Tu fais pour femme? Tu fais pour garçon? Garçon, tu deviens quoi alors? Je deviens femme. Ah. Donc tu as les deux sexes à la fois? Oui. Donc tu couches avec ton oncle? Oui. Et qu'est-ce que tu as gâté dans sa vie? C'est un diplôme. Et puis, il a fait de telle sorte qu'il soit toujours en parler avec sa femme. Donc tu couches avec lui, il a parlé avec sa femme? Oui. Tu as compris, non? Que Dieu nous aide, hein? Oui. Vous êtes dans un foyer, quand vous vous aimez, puis du coup, l'amour commence à se dégrader. Il faut te ressaisir. Vite, vite, parce que tout peut arriver. C'est pour ça que dans le foyer, si un est spirituel, ça marche. Soyez patient. Quand vous commencez à comprendre que c'est, mon mari n'était pas comme ça. Et si aujourd'hui, il y a le mur de Berlin. Vous connaissez le mur de Berlin? Le monsieur, regarde, à l'est, toi, tu es à l'ouest. Ce sont le mur de Berlin. Personne ne touche son camarade. Mais vous êtes là quand même. C'est la société. Ça, ça tue la femme. Ça la tue à petit feu. C'est l'ignore même que Dieu nous aide. Et il y a des gens qui meurent de ça, psychologiquement. Le monsieur vient, il fait rien, toi. Il disait ça, je parlais de certaines choses. Après le mariage, j'expliquais certaines choses. J'ai dit que quand vous voyez un homme est jaloux, c'est que vous êtes. Elle dit non, j'ai dit oui, c'est qu'il a petit. Même si c'est subtil, nous les hommes, on est un peu orgueilleux. Mais quand un homme t'aime plus, il s'en fout. Tout ce qu'il te fait, ça lui dit rien. Ou bien si. Mais on est ensemble, on est un con. Bah, oh, quelqu'un n'a qu'à t'appeler, quelqu'un n'a qu'à t'envoyer un message. Ça veut dire, c'est comme si tu n'existais pas. C'est trop jaloux, il t'aime.
C'est pareil pour lui, là, c'est comme c'est dépassé pigeon. D'ailleurs, comme la sorcellerie. Amen. Oh, la jalousie des hommes, là, c'est pour vous protéger. Amen. Oui, c'est pas pour nous protéger, pour pas que tu dérapes. Stop, on te met dans les quatre fous. Mais quand un homme n'est plus prêt pour toi, faut tousser, faut vomir, faut faire truc, ça ne lui dit rien. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, il peut y avoir des histoires dans le foyer, mais les histoires permanentes, c'est constant. Et puis, ça ne cherche pas une solution. C'est ça qui est dangereux. Bon, deux personnes, même un révérend, même les bishops, il peut y avoir des histoires, parce qu'il y a des choses, souvent, on se ressaisit et puis on s'en va. Nous sommes des êtres humains. Mais un problème qui vient, puis ça ne se règle pas. Et la nourriture est là. Personne n'est pas là, son camarade. Non, c'est difficile, hein? C'est difficile, c'est plus un foyer. Monsieur me dit, mais pas bonjour à la madame. Puis c'est là, il l'ignore. Ça, c'est pas un foyer. Je prie que tous ceux qui sont dans ce problème-là, que Dieu vous visite ce soir au nom de Jésus. Que Dieu visite votre maison et qu'il vous délivre. Amen. Parce qu'un foyer, c'est pas ça le foyer. Un foyer, c'est l'amour, qu'on a retrouvé l'amour. Franchement, on a retrouvé l'amour. Oh, l'amour des temps, il faut coucher, il faut dormir dans le bras de monsieur, n'est-ce pas? Ça, c'est plus fort que paracétamol. Paracétamol, la pharmacie ne vend pas ça. C'est la vérité. Oui. Parce que ce que la femme recherche, c'est la protection. Elle doit te rassurer qu'elle est protégée. Mais professeur, après, c'est aussi vice-versa. Oui, vice-versa. Ouais, mais le problème, c'est que quand la femme aime, tu sais, c'est l'homme qui est un peu orgueilleux. La femme, elle ne peut pas, pas faire des semblants. Dans un premier temps, une femme même, elle ne sait pas faire semblant. Mais l'homme, il est orgueilleux, il ne veut pas faire croire. Voilà. Or, la femme, qu'elle commence à ne plus t'aimer, c'est visible. L'homme, c'est subtil, ça vient doucement. Or, la femme, qu'elle commence à ne plus t'aimer, c'est sans. C'est pour ça que quand Dieu n'a jamais dit à l'homme, aime, il a dit à la femme, il dit à la femme, sois soumise à l'homme, aime ta femme. La parole qu'il a adressée à l'homme, il dit, homme, aime ta femme et femme, sois soumise. Parce que quand une femme décide de t'aimer, elle s'en fout. Hein? C'est pour ça qu'il a l'habitude de dire, la femme, elle fait le foyer à 95%. C'est tout. C'est pour ça que vous, les femmes, soyez bénies ce soir au nom de Jésus. Amen. Je vous donne un gros bisou, les femmes. Les femmes. Amen. Quand vous voulez gâteau, gâtez. Hein? Non, ça va guérir. Ça va guérir. Amen. Ça va guérir. Amen. Les femmes, un gros bisou à vous. Amen. Amen. Mm-hmm. C'est le plus gros don. Nous, les hommes, sommes rien. Tu veux me faire quoi? Tu n'es rien sans la femme. Reste tranquille. Tu es un possédé. Amen. Arrêtez tes conneries, tu fais. La femme, quand elle est un possédé, bien plaisanté. Quand tu peux faire quoi sans une femme? On ne peut rien faire sans vous. Arrêtez ça. C'est pour ça que l'homme, Dieu, a pris le soin de donner l'enfantement à la femme. À cause de l'endurance. La femme, elle a plus d'endurance que l'homme. Eh, c'est vrai, hein? C'est que l'homme peut supporter. Et la femme peut supporter, l'homme peut pas supporter ça. La femme peut supporter que le mari trompe. Mais non. Presque papa. C'est vrai que la vérité. Ça fait mal aussi, hein? Ah papa. Hein? Vous avez mal, hein? Quand tu rencontres qu'un salaud a pris ta femme, hein? Un salon embrasé. Oh, c'est toi qui as cherché ça. Tu as laissé un salon. Et la femme s'est jetée dans les bras d'un salon. Et puis s'est jetée, puis s'est ressaisie. Et puis elle est même, mais plus jamais. L'homme ne peut plus pardonner. On ne peut plus. Pour ça que la femme, elle est plus forte que l'homme. Moi, j'ai exclu cette histoire de la femme, elle est faible. Non, elle a pardonné. Elle est forte que l'homme. C'est pas prendre, soulever pneus, soulever chaise. C'est pas de cette force-là. Hein? Mais j'ai été frappé, c'est pas ça. Hein? L'endurance. Elle supporte.
l'encaisse. Tout le courrier une fois qu'on va prendre là. 9 mois. Accouchement. C'est pas donné à n'importe qui. C'est la femme qui fait ça. C'est pour cela que quand tu es une femme, il faut la respecter. Avant de parler, il faut tourner ta langue 1000 fois. Si tu veux regarder la bouche de femme, tu vas la mordre, il a croqué, il a tué, gâté. Cadeau. Parce que leur force là, c'est bouche. Pish, pish, pish. Pistolet, lance-roquet, il y a tout dedans. C'est une poudrée russe. Arme nucléaire, tout ça. Amen. Elle dégage tout. Mais la femme, qu'elle est prête pour toi, reste tranquille. Elle est prête à tout braver. Tout pour toi. C'est pour ça qu'il y a un grand homme, il y a une femme forte derrière. Je n'ai jamais vu un monsieur qui est devenu grand, pas qu'il n'a pas une grande femme derrière. Tous les hommes politiques, étudiez vous-même, les gens qui sont devenus forts, c'est leur femme. Excusez-moi, non, même le président là, ça, il reconnaît sa femme, Dominique le fait. C'est pas un péché, hein, c'est pas politique, vous pouvez m'attraper un matin. Mais il reconnaît. Il n'y a pas un homme sur cette terre que femme n'est pas. C'est pour ça qu'aux États-Unis, tant qu'il n'a pas une alliance, qu'il ne peut pas traiter une affaire, sérieuse affaire. Quand tu veux parler d'affaires, il faut te marier. Tu me regardes. Les gens, ils marient, femme, toi, tu maries, femme qui donne bien de l'homme. Tu peux aller chercher femme qui prépare bien. Je dis que c'est doux. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Voilà, alléluia. Amen. Voilà, c'est pour vous dire, le diable sait que c'est tellement bon qu'il veut gâter. C'est le diable qui a gâté le nom de la femme. Hein. Vous savez que quand tu es bon, là, tu es gâté par le diable. Tout ce qui est bon est convoité par le diable. Hmm? Amen. Oui. C'est pour ça que quand tu gagnes une femme, tu es prête. Les femmes, là, c'est difficile. Quand une femme commence à t'aimer, elle va d'abord exclure l'infidélité dans sa tête. Je n'ai pas envie de donner les cours de mariage aux gens. Mais c'est pour dire, au fait, on a une sale notion de la femme, pourtant elle est bonne. Si tu as vu une femme dégamée, c'est l'homme qui l'a poussée. C'est tout, c'est l'homme. Non. Je ne parle pas des femmes possédées. C'est vite ça. Non, il y a des femmes qui sont possédées. Je ne dis pas le contraire. Parce que quand on ne dit pas de bon, il y a mauvais. Ça va de pair. C'est les deux choses qui vont ensemble. Mais je ne te parle de la bonne femme qui peut déraper quand elle en a marre. Mais c'est ressaisi. Parce que la femme ne se voit pas. Oh, l'homme, pour tomber là, c'est facile. Hein. Pour aller crocher là, c'est vite. Hein? Répondez maintenant. C'est la vérité? Oh, la femme va réfléchir. Bon. On fait la parenthèse, on attaque un peu les sorcelleries, on attend le Seigneur. On attaque un peu les sorcelleries. Sorcelleries. Allons-y, on a fait les sorcelleries. Amen. C'est pour vous les femmes, vous êtes. Que Dieu nous délivre, nous les hommes, de l'orgueil, de nos reconnaissances, l'autorité de la femme. Nous sommes possédés. Que Dieu nous délivre de ça. Amen. Vous savez, quand tu quittes au travail, tu trouves ta femme, donne-lui un gros bisou. Lui dit que ma maman. Vous savez qu'on va les marier, femme, pour bien réfléchir. Si tu envoies un monstre, c'est monstre, elle va faire la maison. Que Dieu nous aide. Amen. C'est quand on veut. Si tu veux te marier, envoie-la dans ce petit bureau. On appelle ça désarmement de bouche. Excuse-moi de regarder. Si y a pistolet, il y en a. Amen. Il y a 4-5 questions que j'ai posées à la femme. Si elle a pu répondre à ça, quand je te dis, elle est bonne pour la prendre. Si tu dis qu'elle n'est pas bonne, tu la laisses. Bon, en fait, je me suis un peu spécialisé, un peu dedans. Voilà. Parce que le problème clé aujourd'hui de nos sociétés, c'est le foyer. C'est le foyer. Les blancs, hein, ils cherchent. Les blancs, il ne faut pas les livrer, ils vont en psychologie. Nous, c'est nous qui courons dans la spiritualité. Hein. N'est-ce pas? Il y a 5 questions. Si tu veux marier un monsieur,
tu l'envoies. C'est cinq questions. La femme, c'est cinq questions. S'ils ont pu, il a pu répondre à ça. Il te dit, c'est l'homme le bon. Il faut le prendre. C'est test, c'est cinq questions. Je me prends ça pour ne pas que tu te prépares à répondre à des questions. Mais je vous dis, en réalité, la femme qu'on voit là, les femmes sont bien. Comme dans la vie, quand il y a bon, il y a mauvais. Mais la femme, quand une femme est prête pour toi, je vois le papa la parler. Le papa qui parlait tout du ministère, il dit, je sais que c'est toi qui as aidé ton mari à venir aux hautes forêts. Je connais. Mais oui, elle est là pour ça. Une femme qui te rencontre, elle doit t'aider à avancer. Oui. Parce qu'on l'appelle aide. Elle veut dire aide. Où l'homme n'est pas arrivé, là, c'est là la femme l'envoie. Donc si tu marches avec une femme, elle doit te faire avancer. Si elle ne peut pas avancer, n'est pas elle. Ne me laissez pas donner des coups de trucs ce soir. Amen. Les femmes, c'est pour ça qu'il faut, quand tu vois une femme, il faut leur dire, maman, c'est notre maman. Et puis elle maman avec douceur, tendresse. C'est pas une maman, excusez-moi, bouche, les nerfs fâchés. Maman avec beaucoup de tendresse. Nous devons changer de manière de parler à nos femmes. Elles sont nos mamans. Quand on rentre à la maison, maman, c'est bon. On est bébé. Elle dit bébé, c'est bébé. Tu es bébé. Elle doit plus t'appeler Zadi. Bébé. Donc tu as gâté, c'est ça? Oui. Hein? Oui, tu as gâté. Viens, va t'asseoir. On va t'aider. Hein? On va t'aider. C'est ça la vie, oh. Hein? La vie, là, quand tu vis, là, tu rencontres beaucoup de choses. T'as compris? Mais Dieu est grand. Voilà, Dieu, il est grand. Il est pour nous, les gens innocents. Nous sommes là. Dieu est là pour nous. Il va t'aider, t'as compris? Il va te délivrer. On a qu'à l'avoir beaucoup de pitié, beaucoup d'amour. Et puis, celui qui l'a initié, là, elle a beaucoup d'amour aussi. Oui, elle dit, hein, oui. Elle dit, elle va prêt pour ça. Oui. Amen. Celui qui devait livrer Jésus, là, Judas, Jésus lui a donné un gros bisou. Ce qui n'existe pas dans le cœur des sorciers, c'est l'amour. Vous savez, si vous voulez reconnaître un homme de Dieu, je ne suis pas en train de faire des critiques, hein. Vous voyez la manière dont la personne gère son quotidien. L'amour, le partage, surtout le partage. C'est ce qu'il dit, moi, mes collègues. C'est vrai que nous, on en sait le pas, on a un peu le donner. Mais nous devons être modèles. Or, le vrai amour, c'est le partage. Vous savez ça, en vrai? Vous savez ça? L'amour, c'est le donner, c'est tout. Ce n'est pas forcément l'argent. Hein. Le ton temps. Être disposé pour l'autre. L'écouter, c'est tout. Éviter de blesser. C'est tout. Or, la Bible, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, sans que les gens reconnaîtront que vous êtes mère d'ici. C'est l'amour. C'est pour ça que moi, avant de prier, même ma mère sur mon cœur, je lui ai dit, ce cœur-là, je te donne mon cœur. Je crois que je suis prophète Crasso, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Avant d'être prophète Crasso, je suis d'abord Joël Crasso. Joël Crasso, là, je me suis converti. Je me suis converti, puis Jésus a dit, bon, tu es mon serviteur. Mais avant d'être serviteur de Dieu, j'ai un cœur. Amen. Or, il faut que ce cœur-là soit totalement à Dieu. C'est pour ça qu'il devient amour. Il faut qu'il y ait une différence entre nous et les sorciers. Amen. La différence, c'est que quand Jésus est venu, Jésus voulait donner. Jésus a donné un bisou à Judas. Ma fille, ça va? Donc tu couches avec le monsieur pour gâter son diplôme. Tu as gâté. Tu as fait quoi encore? Vous vivez dans la même maison? Vous êtes dans la même famille? Vous n'êtes pas dans la même société? Ça pour toi à part. Vous ne partagez pas les jeunes en passant. De toute façon, on fait au village là. Maman, tu as bien, bien, pas manger ensemble. Vous faites pas ça? Hein? Mais tu sais qu'elle est sorcière. Oui. Tu savais ça, non? Mais tu l'as regardé, fait. Toi, tu veux pour toi. C'est ça? Oui.
personne ne donne conseil à son camarade. Qui donne conseil à lui, mais toi-même. En tout cas. Vous donnez conseil. Attends, tu as fait quoi? J'ai fait de telle sorte que ma petite ne gagne pas ma vie. Comment tu as fait? Elle couche avec elle aussi. Donc, affaire de sorcier à Djandou, là-bas, tu fais Djandou. Tu es prostituée là-bas, tu te livres. Tu couches ici, tu couches ici, tu couches ici. C'est ça? Couche ici. Elle est Djandou dans affaire de sorcier. Tu couches pas une seule personne, tu as beaucoup. Hein? Oui. Pour gâter les gens. Tu as fait quoi encore? Imagine-toi, tu tombes si elle a grandi. Elle a 18 ans. Maman, et la petite fille là. Elle te gâte. Tu as tout et tout, elle se gâte. Bien compris? Donc, si on a notre femme qui nous respecte là, pardonnez, encore rester là-bas. Au moins, elle, on la maîtrise. On peut faire les jeunes et prier ensemble. Mais Dieu, là, tu ne maîtrises pas. Tu me regardes. Toi, tu es allé marier femme, au lieu de réfléchir. C'est femme qui te donne viande de l'homme, tu manges. Elle fout tout. Il y a même un peu de manioc dedans. Sans graine. Chaud mon cœur. C'est doux. Hein? Puis, mais très doux. Eh, mais le quoi, t'es dans la maison, lui. Tu es mal barré, hein. Parce qu'il dit, au moins pour là-bas, mais pour l'homme, là. C'est doux, hein. Donc, quand il tend piège en brousse, il ne trouve pas. Il attaque la maison. Je ne sais pas, lui, il y a bien même dans la maison, ici. Il y a goûté, je fais quoi? Je fais quoi? Ton couteau, là, que tu n'as pas envoyé, là, c'est ça qui est pas là, on pourrait moi. Tu es venu, là, je suis content. Je fais venir. On acclame le Seigneur, il va venir. Il va venir. Vous pouvez dire ça. C'est comment? Et puis, là, oui. C'est long comme ça. C'est long comme ça. Et puis c'est calé. Calé comme ça. J'ai taché avec Samraye. Samraye de vélo. Hein? Donc c'est dangereux, hein? La nuit, quand tu attrapes, vite. La nuit, je suis bien. Non, quand tu attrapes quelqu'un, ça, vite. Hein? Vite. Ouais. Il n'y a pas d'amusement. Non, si il veut faire même malin, il veut faire même malin. Tu ne fais pas malin, tu parles en bas. Donc tu es parti. Tu prends, tu tues. On est là dans la société, chacun a des pensées. Et tu as fait quoi encore? Mon papa dit de gâter le voyage de mon nom. Bon, laisse après le papa à dire. Si tu as gâté, je préfère que tu dis j'ai gâté. Vas-y, quand tu as dit, on t'exécute. Donc, on va prendre pour toi. Faut pas laisser. Laisse papa dire. T'as gâté le voyage ton oncle? Oui. Comment tu fais? Son âme a attaché de notre. Avant, on pensait que c'était les vieilles. La vieille Mayakane. Elle est moche. Une mamie. Tu fuis. Tu la vois, mais tu fuis. Eh, ouais, associé. Oh. Les enfants, c'est les plus dangereux. Ils vont te prendre, te manger. On fait riz gras. On fait chop jam jaune. Un petit coin t'a pris lui là. Viens. Oui, viens. Tu manges l'homme, non? Hein? Tu manges, non? L'homme. C'est doux. Bien doux. Tu manges quoi? Quelle partie? Tu manges quelle partie? Hein? Les pieds. Et puis quoi? Et que, ouais. Non, pas c'est mamie. C'est petit.
Toi, elle vous est rencontré dans la chambre. Il te presse. Il m'a un pied. Et que tu le regardes. Les collègues. C'est ton camarade. C'est ton frère à sorcellerie. Lui, là, c'est ton grand frère en fait de sorcellerie. Là, tu es vieux, mais lui, il est grand là-bas. C'est doux l'homme. C'est doux. L'homme est doux. Comme ton vieux père. Là. Allez, voilà ça. Vous vous dites qu'il y a fait des sorcelleries là, c'est pas affaire de Dina, c'est mes mamies. Le vieux là, parce qu'il me regarde là, il attend de m'attaquer. Oh, l'enfant est le plus grand attaqueur. Heureusement que Dieu nous a donné ce ministère là, pour vous ouvrir les yeux. C'est un sujet tabou avant. Hein. On parle pas de ça. Allez, là, là, ils sont pas affaire des sorcelleries, faut qu'on parle de ça. Pour vous aider. Elle connaît un bébé qui allait manger pendant qu'il est dans le ventre de sa maman, elle allait attaquer quelqu'un. Et ça fait plus de 15 ans, si tu as fait des. Tu as envoyé quoi? Tu vis ici, sorcier? C'est 15 ans. 15 ans. C'est mon travail. Tu le vois, il est sorti, on est chat. Bizarre! Dieu nous aide. On peut t'initier depuis le sein maternel. La maman elle est couchée, même l'enfant. Elle va même un certain moment de la donner. Sa maman reconnaît que la grossesse disparaît. Le ventre. L'enfant en mission. Il est pressé là. Il va déjà manger bien. Que Dieu nous aide. On a vu beaucoup de choses. Il est né même pour boire le sein, mais il boit. C'est l'eau. Il luttait même. Que Dieu nous aide. Amen. Et tu as fait quoi encore? J'ai volé l'intelligence de sa fille. Elle est où? Elle est jouée. Et tu as fait combien de dégâts? Tu as fait quoi? Tu as volé l'intelligence. Comment tu as fait? Hier, quand je suis partie, elle dormait. Et puis, j'ai pris pour là. Et puis, elle nous a fait sa tête. Je suis parti de mon camarade et puis j'ai mis ça dans le canard. Ah, il y a un canari là-bas. Et puis après. Et puis j'ai mis le canari sur la tête de ma tante. Elle est où? Elle est à Dijon. Et qu'est-ce que ça a devenu? Elle est devenue quoi? Elle n'arrive pas à se marier. Attends, toi, tu es là pour gâter le mariage. Et qu'est-ce que tu as fait encore? Vous avez compris, vous avez un problème dans vos foyers là. Hein? Oh là là, le micro. Vous avez un problème dans vos foyers. Je pense que c'est ça. Elle fréquente celle-là. Elle vient te gâter tes yeux. Tu vas plus dire dans moi. À part être enfant. Combien? Deux autres filles. Tu dis ta maman. Et tu veux quoi? Je veux aller à l'église. Je veux rarement à l'église. C'est pas chez toi. Je connais une femme là, elle est à l'église ou quoi? Tous les gens, je vois là, c'est les boutons. Moi, elle m'assoit parmi les gens bizarres. Parce que, bon, lui qui est là même, là, il est bizarre. Il allait m'asseoir. C'est toi qui es venu, c'est toi, on peut aller à l'église. Vas-y, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non, j'ai vu que c'est là-bas, on va partir. Là-bas, j'essaye, il mange. J'essaye, il mange. Il y a des fous là-bas. Depuis même, ceux qui sont à côté, ils sont dans ma confrérie. Je préfère ne pas la lire, mais tout sur la vérité. Il dit c'est vrai, elle dit oui. Elle a dit le nom de quelqu'un. Il est responsable. Il est prédicateur plein de doigts. Elle dit lui, il est sorcier. Il ne peut pas parler. Elle dit c'est toi, tu as tué tant. Encore là-haut.
Il ne peut pas parler. Elle dit, si tu veux nier, il est bloqué. Comme ça, moi, il est allé à l'église. Tu as même tes sorciers. Moi, il est parti à l'église. Il perd mon temps, pourquoi? Et je suis Satan, je suis Satan. Il est salué, il dit, madame, toi-même, elle dit, c'est maintenant, il est allé à l'église. Mais tu es à l'église. Elle m'a dit, mais toi-même, tu dis, tu as fait de Dieu. Tu n'es pas dans Dieu. Tu es dans Dieu. On se rencontre là-bas, toi-même, on lutte bien. Oh, toi-même, on lutte pas bien. Et en plus, mais il est méchant là-bas. Il y a un gars pour lui. Là. Il dit, il y a ça là-bas. Il dit, oui, lui là. Elle dit, lui là, il est dangereux. Hein. Pourtant, il est à l'église. Que faut nier? Il parle pas. Elle dit, parle. C'est la reine. C'est la reine, la vieille mère. Il peut pas aller les bloquer. Elle dit, bon, faut enlever. Mais il faut diminuer. J'ai dit, mamie, on ne diminue pas ça. Elle n'a pas dit au moins, il n'y a qu'à rester. Où on tue l'homme là? Il n'y a qu'à enlever. Elle est mariée de temps en temps. Et Dieu nous aide. Ouais. Quand les sorciers se convertissent, ils se convertissent. Elle dit, il y a là, l'église lui là-même là. Qui là, il prend la Bible. Il est dans quoi? Toi, il faut parler. Tu es sorcier. Prends la main, on va parler. C'est maintenant qui dit les gens. Allez chercher lui là, puis il vient. Et puis c'est la bouche de la patronne et toi ta bouche. Puis nous on est là maintenant, on est comme juge. C'est comme ça on fait dans le village, hein? Oui. Les petits là, ça ne nous intéresse pas, c'est les patrons là qui nous intéressent. S'il y a quatre confréries, c'est les quatre chefs de sorcellerie là. On les prend. Et on fait sortir le reste. Et quand ils parlent, ils ne discutent pas, hein? Ils s'alignent. On a pris ton patron, on doit venir partir. Tu as nié. Lui va te dire ce que tu as fait. Que Dieu nous aide. Amen. Feu. Allez. Jésus te délivre. Sa puissance te libère. Le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres dans ce corps. Comme je disais, confesser ne donne pas le droit au démon de partir. Quand tu fais des aveux, okay, ça affaiblit le démon. Maintenant, après les aveux, il faut que le démon qui t'animait sorte de ton corps. Parce qu'elle ne faisait pas ça d'elle-même. Elle était poussée par un esprit qui est derrière ça. Or, si elle n'est pas délivrée après avoir dit tout ça, vous l'envoyez à la maison, elle peut repartir encore, faire la sorcellerie. Ce sera que quand quelqu'un parle, il faut le délivrer. On est rouge, à pas de Dieu, quelqu'un laisse une eau sucrée. Si vous voulez laver l'air de l'eau, ça ne va pas le délivrer. C'est le nom de Jésus seul qui peut chasser un démon d'un corps. Amen. Amen. C'est ce que vous êtes en train de voir. Lâche-la au nom de Jésus. Quitte son corps. Tu m'attends? Quitte son corps. Ça fait trop de bruit, hein, vous pouvez couper. Quitte son corps. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Je maudis ta présence dans ce corps. Tu m'entends? Va-t'en. Manifeste-toi et pars. Voilà, va-t'en. Va. Va. Oui, va-t'en. Quitte son corps. Quitte son corps. Tu vas partir. C'est un ordre. Tu vas quitter son corps. Maintenant même. Tu la libères. C'est un ordre. Lâche son âme. Lâche son âme. Au nom de Jésus. Tu libères son âme. Tu libères son corps. Et toi, comment tu t'appelles? Amène-la la délivrance, le groupe d'intercession. Amène-la la délivrance, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Tagro, c'est le même Tagro. C'est sorcier. Le oncle qui a bien, il fait quoi qu'un travail? C'est un planteur, c'est ça? Oui. C'est ma grand-mère maternelle qui m'a initié. Tu as tué combien de personnes? J'ai tué deux personnes. Deux. Tu as mangé?
Quelle partie? C'est le pied et les cuisses. Les cuisses. Mmh. Jugo. Mmh. Et tu as gâté qui? J'ai gâté la vie de mon papa et puis la vie de ma mère. D'accord, quoi? Ils m'ont dit d'envoyer l'argent dans un canari. Tu prends l'argent, tu as gâté? Mon papa. Pour garder son travail. Maintenant, pour maman, ils m'ont dit de faire avoir des maux de ventre au niveau du bas ventre. Comment tu as fait? Quand on était notre camp là-bas, dans le Canary, ils ont envoyé sa photo. Et puis ils ont versé, et puis ils ont parlé en langue. Maintenant, ils ont dit d'initier. Les incantations, c'est ce que ça veut dire. Allez, parlant là, c'est incantation. Donc, fait les paris, les incantations. Oui. Ils m'ont dit d'initier mon petit frère Christo. Maintenant, ils l'ont envoyé, ils ont envoyé son âme et puis ils l'ont rendu en cabri. Ils ont dit que le jour qu'ils seront prêts à le tuer, ils vont le gorger. Maintenant, chaque nuit que mon verre, on m'envoie d'aller coucher avec les jeunes. Il y a d'autres que je ne connais pas. Maintenant, ceux que je connais, ce sont mes deux frères, mes deux grands frères. Tu couches avec eux? Dans quel but? On m'a dit de coucher avec eux pour garder leur vie, pour les initier. Maintenant, quand tu couches, tu inities les gens. Maintenant, le plus grand, il n'est pas réussi à l'initier. Donc, la nuit, tu viens quoi? Tu viens une femme? La nuit, il me transforme soit en hibou ou bien en serpent. Maintenant, quand ils m'ont couché avec mes frères, je suis une femme. Ils m'ont couché avec eux. Et les dames, comment tu fais? Tu les mets la nuit? Je me dis de coucher avec les jeunes garçons, enlever leur intelligence. Le plus grand, je n'ai pas. Donc, tu couches avec les gens pour tu les gâtes. La nuit, comment tu les dragues? C'est toi qui les dragues. Tu fais quoi? Je vais coucher avec eux. Hein? Je vais coucher avec eux. Vous avez compris maintenant? Tu sais pas toutes les femmes qu'on couche. Vous avez compris? Tu es là, tu es comme ça, tes yeux brillent comme tracés. T'as compris? On dirait qu'il y a qui est abonné à la CIE. On est lampadaire de CIE. Que Dieu nous aide. Mais, pour la intelligence, ou bien pour les initiés, le plus grand n'est pas plus. Maintenant, c'est le plus petit. Il a réussi à initier, mais les jours à venir, l'envoyer dans un camp de délivrance. Comment tu arrives à initier les gens? Quand on est dans notre camp là-bas, on dit le nom de la personne. Si on n'a pas pu envoyer la photo, on dit le nom de la personne, et puis on baisse le camp par le week. Come on! Ton âme, il te libère. Allez, lâche-la. Sors. C'est ça qui fait que quand quelqu'un dit les sorciers, nous, ça nous apaise. Ça nous révolte pas. Parce qu'on s'est dit, un esprit, là, lui, tout à l'heure, l'a dit, on m'a initié. Vous comprenez? Donc, du coup, il faut aider quelqu'un, il faut l'aider à sortir. Or, Dieu nous a donné le pouvoir, en tant que chrétien, sur les esprits. Vous m'avez entendu? Donc, l'église ne doit pas faire le procès pour dire, non, c'est fini, non, il est sorcier. Non. Avec beaucoup d'amour, qu'on délivre ceux qui sont dans la pratique de la sorcellerie. Oui, si. Lâche-la. Sors. Non. Sors. Je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Si, je veux la laisser. Je ne veux pas jamais. Pourquoi? Jamais je vais la tuer. Pourquoi? Je vais la tuer. Pourquoi tu veux la tuer? Je vais la tuer. Pourquoi tu veux la tuer?
Je refuse tes œuvres. Je refuse tes œuvres. Comment les feux? Tu vas quitter son corps. Tu vas quitter son corps. Le lieu est attrapé là. Tu vas manger herbe ici, tu as compris. Il dit que tu vas manger herbe ici. Et de faire sauter la clôture ici, tu as compris. Tu me demandes pardon. Toi, tu es là, l'homme vient à Boukari. Boukari vend viande. Il dit, tu es ami de Peul. Ça ne t'intéresse pas. Tu vas lui faire camarader Peul dans le moyen certain. Forcé. Boukari, là, tu as son nom de camarade. Tu n'es pas camarade de Boukari. Je ne sais pas Boukari. Comment t'appelles? Pousseni. Comment t'appelles? Laisse-moi. Y'a quoi? Laisse-moi. Peul, là. Comment t'appelles? Je m'appelle Diallo. Diallo, là, tu n'es pas camarade. C'est mon camarade. Mais pourquoi tu ne m'as pas bien de Diallo? C'est moi qui verse de l'eau. Et laisse un peu de l'eau. Tu es quoi et puis tu manges pour l'homme, c'est ça? C'est le. Moi, je ne sais pas. C'est le. Génie façon. Quel génie façon? Tu mens. C'est pas génie. Menteur, sorcier. Menteur. Diallo est ton camarade, toi, tu l'as logé. Les gens n'ont pas de. Toi, tu as logé un propriétaire. Un con à Bouvier, non? C'est ça, on dit. Il y a viande, bébé. Pour l'homme, là, tu manges. Le lieu est attrapé. Tu vas manger gravier. Tu vas manger gravier. Pardon. Pardon. Moi, tu peux dire c'est pour l'homme, là, qui est tout. Fais! Je refuse que tu gâches sa vie. Oui, si. Tu vas lâcher sa vie. Jamais. Si. Je dis jamais. Si. Jamais. Au nom de Jésus. Jamais. Au nom de Jésus. Jamais. Tu vas la libérer. Jamais. Tu vas la libérer. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Si. Lâche-la. Lâche-la. Le feu sur toi. Quoi? Le feu sur toi. Ça brûle. Le feu. Ça brûle mes pieds. Ça brûle mes pieds. M'aidez. Venez me donner. Venez me donner. Le feu sur toi. Le feu. Le feu. Allez. Allez. Lâche-la. Lâche-la. Tu vas la libérer. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Pour toi là, c'est le gravier qui a mangé. Mais non, pardon. Hein? Toi, tu as dialogue. Tu as dialogue, tu es logé chez toi. Hein? Il est chez toi. Oui. Tu as donné forêt. Oui. Il n'a qu'à lever bœuf. Oui. Il a... Et puis tu mets l'homme. Hey, monsieur, pourquoi tu fais ça? C'est ma femme qui m'a donné. Mais tu m'as dit non.
il a mis dans ma chaîne, quand je mange seulement cette truc. C'est un homme qui prend ma chaîne là, aller tuer les gens. C'est qui fait? Nous, c'est elle-même qui, maintenant, quand elle a fait la manie, je fais une sortie. Tu fais une sortie? Je fais quitter. Mais tu es dedans, vous trouvez là-bas, non? Ah, mais oui, mais. Hein? Comment elle est partie, mais tu trouves là-bas, non? Voilà pourquoi moi je dis que. Mais elle est partie, tu la trouves là-bas, non? N'écoutez pas, mais. La puissance. Laissez-moi! Je ne vais jamais la laisser! Tu vas la lâcher. Je ne vais jamais la laisser! Arrête! Non! Maintenant tu pars. Lâche-la. Allez, feu. Va-t'en. Quitte son corps. Quitte. Pars. Libère son cœur. Et libère toute sa vie. Je refuse tes œuvres dans ce corps. Dans le nom de Jésus. Il quitte sa vie. On peut acclamer Jésus et le délivrer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà, va te faire. Elle est délivrée. Voilà. Toi, tu es qui demande d'aller, tu vas pas. Toi, tu es qui? Nous, on a le pouvoir, amen. Quand tu as Jésus, tu as le pouvoir sur le diable. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quelqu'un qui se dit, on prie. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te délivrer ce soir, qu'il te souvienne de toi et qu'il te libère. Pour laisser l'homme, monsieur. Pour laisser de manger l'homme. Hein? Tu as compris? Dieu t'a fait la grâce, tu as un bovin, un bovier chez toi, tu lui donnes forêt, c'est pour l'homme là tu manges. Pour l'homme est doux. Oui. L'homme est doux. Non, l'homme est doux. Oui. Vrai d'être doux. Comme je dis, je ne mange plus là. C'est là qu'il m'a lancé les trucs là. Il dit, l'homme est doux. Oui. Tu as vu, tu manges. Non, maintenant. L'homme, non, attends. Je dis oui. Je mange. Tu manges, tu veux rentrer ici, rentrer ici. Non, tu manges. C'est foie là, tu manges. Oui. C'est ça, en bas, intestin. Foufou, là, ou bien. Foie, et puis. Intestin, la tripe. Et la chair, là. Tu donnes aux femmes, là. Oui. Sauce graine. Sauce graine, hein. Sauce graine. Voilà, sauce graine. Nous prions le Seigneur. Nous ouvrons la bouche pour prier. Demandons au Seigneur. On ouvre la bouche. Ouvre la bouche et prie. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous réclamons ta grâce ce soir. Nous te prions de nous délivrer ce soir. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce ce soir. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous prions que le Seigneur nous délivre ce soir. Nous comptons, Seigneur, la puissance est libérée. Jésus est délivré ce soir. Jésus va nous lâcher. La puissance est libérée. La puissance de Dieu vous libère ce soir. Sa puissance vous libère ce soir. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Ce soir même, la puissance de Dieu vous guérit. Sa puissance vous délivre. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus. La main de Dieu vous délivre ce soir. La main de Jésus-Christ vous délivre. Seigneur, merci. Au nom de Jésus que je prie, on dit amen. Amen.